Ah. Hurle le Dag a de nouvelles missions à confier aux chasseurs d'arches. Génial. Ouhou. Top Moumout, salut les gens. Salut les viewers. Salut les vieweuses, c'est Marcus Bonus. Et bienvenue dans la Playroom pour ce nouvel épisode de Borderlands qui apparemment va vouloir tendre à me forcer à jouer les missions secondaires des autres personnages, sachant que je ne vais pas du tout dans la bonne direction. Mais qu'on va pouvoir quand même activer un petit pont. Donc voilà, on a battu le gros monstre, le nid de rack. Hein. Ça s'appelle comme ça, hein, c'est un nid de rack. On a récupéré un troisième fragment de clé, normalement si je me trompe pas. Hein. Troisième ou quatrième, j'ai toujours un doute, je sais pas pourquoi. Genre ça l'a pas tué, genre je me prends le truc. Ah là. Là. Ok. J'ai voulu couper. C'est comme dans Mario Kart, dès que tu coupes la route, enfin dès que tu coupes les virages, tu perds en vitesse finalement. Et là, il y a de nouvelles quêtes. On va aller les prendre au passage. La musique continue à s'exciter, c'est très bien. Je vais voir si je peux pas me TP directement dans une zone. Appa et arnaque. Et on va aller se TP normalement à la zone de... Voilà. De Hurl, histoire de voir si on peut pas récupérer ces quêtes au passage. On est bon. Bon endroit. Juste attention à ce qui pop. On va tomber sur des brutasses ici. Non, tu vois. Ils sont solides. Merci. Alors j'ai essayé le petit gun qu'on avait eu, hein, c'est pas terrible. Par principe. Hein. Le légendaire. Ben, je sais, j'y suis. Le meilleur ami d'Earl, Earl Dingue, sauvé. Le meilleur ami d'Earl que les bandits retiennent dans Trash Coast. Très bien, Trash Coast, le retour. L'avantage c'est qu'on peut s'y TP pratiquement automatiquement. On l'a déjà fait cette région dans l'épisode précédent. Donc avec un peu de chance, on n'aura pas autant d'ennemis, ce sera, entre guillemets, de la ligne droite. Mais bon, si les jeux étaient aussi simples, ça se saurait. Alors. Mémoire, elle était tout en bas, voilà. Crac, on est bon. Malgré l'épisode des armes élémentales, si vous voulez une arme qui tire du feu, de la foudre, de l'acide ou qui cause énormément d'explosions... Ah non, c'est de l'acide, c'est pas des radiations, c'est de l'acide. C'est du produit chimique. Oui, je suis con. En plus, je le rappelle tout le temps à mon ami Ronto. Ce symbole-là, ce n'est pas le symbole de la radioactivité, mais des produits chimiques. Très bien. Pourquoi tu m'as... D'accord, c'est en bas. Trash Coast, je me suis trompé, en fait. C'est pas le bon endroit. C'est pas là que je pensais. Autant pour moi. Du coup, là, on est dans une zone qu'on n'a pas faite, vu qu'on va aller dans le sud de la zone. Dans le sud. Et d'ailleurs, en fait, les deux autres... Ah bah. Parfait. Tant que c'est pas au nord. Parfait. Ah bah voilà. Que demande le peuple? De réanimer échange des abdomens. Eh bien, ça va encore être bien glauque cette histoire, mec. C'est comme ça qu'on aime Borderland. Hein. Ou plutôt Bordelland. Ah oui, c'est pas dans les yeux qu'il faut que je tire, vous. Non, ou dans l'œil unique. Ça doit être ça. Ça a l'air assez efficace quand j'y tire dessus. Bon. Ok. C'est marrant, c'est complètement différent de la région dans laquelle on était un petit peu avant, donc dans la version... dans la région nord de cette zone. Voilà, coup critique. Ça fait mal, ça. Critique. Très bien. C'est pas que vous me saoulez, mais un peu. Surtout qu'on vous confond avec des cadavres. Deux derrière ce caillou.
Peut-être qu'avec ça... Oh, d'où je l'ai pas eu. Ah, ça doit être la précision de l'arme qui m'arrête. C'est pas grave. On a une kékette juste à côté, on va aller la prendre de suite. Tire-moi dessus. Bon. Mais t'as pas besoin de me sentir non plus. Puis je ne sens pas si mauvais d'ailleurs, hein, au passage, mais. Ça fait pas du bien, ça. Bah, t'avais un. D'accord. T'avais un cousin dans le coin et je le retrouvais plus. Allez, fond! Très bien. Ah, bah te voilà! Salut! C'est juste à côté. C'est très bien. J'ai une fuite! Voilà une bonne nouvelle! Ouais, non, pardon, c'est juste à côté, mon cul. En fait, ça va être ultra loin, parce qu'en fait, là où pour monter là-haut... Faut aller à 40 millions de kilomètres, c'est ça? Je commence à connaître un petit peu les règles de ce jeu. L'enculé! Très bien. Très bien, très bien. Je saurai m'en souvenir. Merci, merci. Si j'oublie ce détail. Si j'oublie ce détail. Fais Biddler, c'était par là apparemment. Biddler ? Biddler ! Je t'ai pas vu apparemment. Biddler ? Mon visage! Mon visage. Une brutasse. Brutasse explosive, donc ça passe. Ok, Biddler, ça doit être ça. Couché. Bleeder, pardon. Ah oui, le seigneur. Genre seigneur avec sang, quoi. Voilà! Bien. Voilà, c'est ça qui est bon. Merci. Non, toujours pas. Et vous voyez, le grand capacité reste moins bien que celui que j'ai. Hein. Je l'ai pas eu, si. Si, je l'ai eu. Si, non. Ok. Où t'es? Ah, bien que tu fondes quand je te tire dessus. Non mais lol. Bon, j'ai déjà joué à un jeu vidéo dans ma vie. Suffisamment pour me dire que quand tu mets un truc comme ça... Non ? Wouah ! Ok. Très bien. Le jeu vient de se foutre de ma gueule, ça m'a fait tout drôle. C'est pas sympa. Mais bon. Ils sont longs quand même. On dirait ma tête d'oreiller. Ça passe ou pas? Ça passe pas. Très bien. On va éliminer toute personne susceptible d'avoir a fini de télécharger. Ah bah bien. Ça a été rapide. Compte tenu du contenu de ce jeu. Tout rapide. Faisons attention à tout autre. Okay.
Ok. D'accord. Et le troisième, c'est le claptrap. Donc le premier qu'on va avoir à tomber, ce sera celui-ci. Salut. Pardon, je t'ai laissé tout seul sans ami. Je suis désolé. Ou pas. Mais tout est relatif encore une fois. Il y a une région, vous voyez, qui part vers le sud là. À mon avis, au bout, il va y avoir du loot. Le problème, c'est comme j'ai déjà call ce genre d'infos et qu'il n'y en avait pas, ça m'inquiète de call maintenant. Si c'est pour que je tue des héros, des rois. Ça fait mal, ça. Ok. Très bien, vous voulez qu'on se la mette, on va se la mettre, pas de soucis. Pourquoi vous les avez pas... Pourquoi vous les avez pas appelés chevaliers si vous avez appelé roi, reine? Je veux dire, moi ça me semble logique. Je sais bien que c'est par rapport aux insectes, la reine des insectes, etc. Mais ce serait stylé. Il y a bien ouvrier, ouvrière. Ouh, il a tout pris dans sa face lui, hein. On va toucher les 100, le million? Non. Quand même pas toucher le million dans quelques secondes là. On va mourir avant. Pas possible autrement. Et regardez les ouvriers. Ah génial. J'ai raté. Attendez, j'ai en train de me demander si ça fait des dégâts quand je tire. Oula, je suis coincé. Déjà, ça lui passe au travers, non? Ça fait pas de dégâts, y'a pas de dégâts. Si, ça a tué, là, j'ai un truc. Bon, bah, très bien, ça marche pas. Revenons sur des armes un peu plus classiques. C'est qu'il se tourne aussi vite que moi, donc voilà, c'est ça qui est bon. Et le vrai problème, c'est que comme c'était un corrupteur, je pouvais pas utiliser mes armes habituelles, celle-là par exemple. Vu que. D'où le fait que je veuille utiliser le lance-roquette. Il fait des dégâts, mais ça a l'air d'être compliqué, hein. C'est bien qu'ils ont du shield devant eux quand même, mais. Attendez un peu mieux. Bon, on a une caisse d'armes. On a une valise, ce qui veut dire qu'on a 90% de chance de devoir revenir ici. Pour des armes blanches de niveau 28. Très bien. Perte de temps, perte d'argent. Pourquoi pas? Maintenant, on va anticiper un petit peu. Okay. Cadeau, si tu veux, tu dis ce que tu veux, Break, hein, mais... Un coup de masse, c'est pas vraiment un cadeau. Tu vois ce que je veux dire. D'ailleurs, ça fait très longtemps qu'on n'a pas trouvé une arme avec du dégât... Une arme intéressante avec du dégât corps à corps. J'aimerais bien. Ok, très bien. Ah! Bonjour. Alors, je suis curieux de savoir si en termes de dégâts je devrais pas partir sur autre chose. Genre même partir maintenant tout court, hein, parce que là je suis en train de me faire coincer.
Ok, à son tour. Je l'ai eu. C'est bon. On est un peu plus serein en termes du nombre d'ennemis. Bon, c'est pas le bip bip qui va faire réagir, je crois qu'il y avait un truc qui avait pop par là. Il y avait des trucs qui pop. Il fait mal. Ah, ils sont nombreux, c'est chiant. Putain, il y en a encore un qui a pop. Il veut pas, hein. Aïe. Qu'est-ce qu'elle fait mal, cette arme? J'avais oublié qu'elle faisait aussi mal. Oh la vache. Elle te recte du brutal à une vitesse. C'est incroyable. Ok, c'est bon. Vie de sniper, on connaît maintenant. Alors attendez, les 983 000, hein, on va bientôt passer à la barre du million. Ok, qu'est-ce que tu fous sous le cadavre de ta reine, toi? Gros dégueulasse. Très bien. Ça me semble pas trop mal. Il faudrait que j'aille l'échanger tout là-haut. Sachant qu'on va faire ça. Et qu'ensuite, il faudra qu'on reparte de là pour arriver ici et redonner le truc. Très bien. Il y a un autre truc ici qui est violet. C'est un mode de classe. Ça aurait pu être un mode de classe intéressant. Ça n'en est pas un. En tout cas, pas pour moi. Faut savoir, ce qui est intéressant aussi, c'est que dans ce jeu, tu peux donner... pas dans ce jeu, mais dans les suivants. Tu pourras donner des armes, des objets. Pour espérer recevoir en échange un truc mieux. Et ce qui rendait très pratique le fait de tomber du loot d'autres classes. Enfin bon. Donc c'est d'ici qu'il faut que je parte en fait finalement. Je tenais vraiment à le faire. Et comme je suis un malade, je vais le faire tout de suite. En évitant de me casser la gouelle. C'est obligatoire qu'il fasse ça. Ok, ça passe plutôt bien. On va pas redescendre tout de suite. On redescendra après. Pour lui rendre. Voilà. On pourrait redescendre tout de suite et refaire tout le tour. Ça ne m'intéresse pas. Mais de toute façon, on a de grandes chances de devoir revenir dans cette région à un moment ou à un autre. Je veux dire, dans cette région de la map, hein. Pas dans cette région section de niveau là. On pourra revenir en fait en faisant tout le tour. Donc autant en profiter. Oh putain, il est juste là. Fuck it! Fuck it! Vous me connaissez, en plus il y avait une caisse d'armes que j'ai loupée. Qui contient de la merde sans doute, hein, mais... Ah. Ok. 22. 28. Je baigne dans mon huile. C'est dégueulasse. Merci pour le kit d'optimisation de stockage, c'est sympa, ça fait du bien par où ça passe. Passe de 27 à 30, c'est pas mal. Putain, il va me donner une caisse. Ne l'oublions pas. Chaque fois je l'oublie, mais il va me donner une caisse. Je vais ouvrir la porte là, regardez. Je danse comme un ouf.
qui dit con. Hop là. Non, même pas. Non? T'es pas censé me donner un truc? À tous les coups, normalement. J'ai plus l'oreille à cause de mes cheveux qui rentrent dans le casque. Ah, je croyais que dans 90% des cas... Oh bah tant pis. Attends pour moi. Plus qu'à refaire tout le tour. Et me faire agresser un million de fois. Non? Personne qui repop? Vous avez une occasion de repop et vous en profitez pas? What? L'avantage, c'est que je vais devoir faire que de la ligne droite maintenant, mais bon. Je pourrais faire clac-clac et dire voilà au montage, Marcus pense à passer ça, mais je sais que vous aimez me voir courir. Quel enculé! Bon, nous sommes officiellement en terrain inconnu. Il y a moult ennemis en face de nous. Je pense à mettre ceci. J'ai pas vu l'endroit où on devait aller pour la deuxième partie de cette quête. Au fond, très bien. Bien. S'ils me voient pas, moi ça me dérange pas. Hein. Eux par contre, ils vont me voir. Allez, faites pas chier. En fait, elle fait très très mal, mais elle a tellement de spread. Allez, viens me donner de la santé, s'il te plaît. Ok, lui, il s'est fait rect. Et donc apparemment là à gauche j'ai une petite zone avec sans doute un seau et peut-être même une caisse. Pas de caisse, très bien. Enfin ici, il y a du monde. L'avantage c'est avec le nombre de balles que je tire avec ce truc. Ils se font agresser par autre chose au passage. Ce qui m'arrange bien. Hein. Ça fait mal, ça. Ok. Qu'est-ce que... Ah oui, j'avais oublié, c'est son chien. C'est son toutou. Libéré. Délivré. Je ne mentirai plus jamais. Je sais pas pourquoi il fait un bruit de... Ouh, il m'emmène à une caisse. Ah, il va là-bas. Quel truc. Ça valide, c'est très bien. Ça, c'est des armes vraiment moisies. Ensuite. Eh bien, c'est cool. J'apprécie. On va mettre la dernière quête qui nous reste à faire dans la région quand même. Les zones s'élargissent, vous mettez des points de sauvegarde, qu'est-ce qui se passe? Vous avez envie de me tuer? Putain, même en frontal, il fait mal. Hein. Vous avez remarqué que c'est les rois qui ont les plus petits appendices. Ils se prennent une balle critique, c'est fini hein, pour ses ennemis. Hein. C'est vraiment la pure violence. Alors pourquoi mettre un point de sauvegarde ici et un point de sauvegarde là-bas? Je sais bien qu'il y a un boss juste après, mais quand même. Oh, il va sans doute y avoir une caisse d'armes là-dedans. Là, 90% de chance, je dirais. Surtout qu'ils ont été radins avant. Si vous en mettez pas une... Ah bah merde! Oh, ça me saoule! Très bien, je quitte.
Des soldats. Pas de roi. Ok. Raté aussi. Je crois que je viens de comprendre. Ok, c'est parti. Fuck it. C'est tout ? Roi Arachno, d'accord. Ah, Tarantula et Arachno, j'ai tué sa femme. What ? Il est solide le garçon. Arrête de reculer comme un client. Donc j'arrive pas à faire le dégât. Ah, j'ai plus de balles. Bon, tu sais quoi ? T'as gagné. Qu'est-ce que tu fous là ? Oh, zéro. Comme ça, c'est clair. Oh, t'as pris cher dans ton anus là, hein. Allez. Et cède. J'ai raté la dernière balle. Tiens, droit dans les... Wow, génial les armes que je tombe. Trop cool. Top Moumout. Est-ce que ça mérite d'aller les tuer ces mecs? Du coup. Parce que si je tombe pas d'armes potables... J'ai raté ma grenade, en plus j'appuie sur F. Pour une raison que j'ignore. Ça va saigner. Tu devrais pas traîner par ici, sale mercenaire. Tu vas saigner. Oh là 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 là. Je suis suivi, hein, et bon je vais les emmener directement au bon endroit. Ok. Il y a zéro caisse d'armes. Ah, ça y est. Enfin une récompense. Ouh. Ah non. Très bien. Salut. En fait, si t'avais pas une arme électrique, à la limite, j'aurais pu te tuer sans souci, mais. Ok, bon bah plus qu'à retourner à la base, mais bon, très bien, on a fait toutes les quêtes du coup secondaires qu'on avait sur nous, là on est d'accord, ouais. Très bien. Ah, il y a un ennemi encore. C'est mal quand même. Hein. À mon avis, l'ego il en prend un coup à ce moment précis. Hein. Salut mon roi. Oh, désolé, toi. Toujours pas le million ? Toujours pas le million. Tu vas saigner. Ah, dès que tu tires au shotgun, ils sont complètement... perdus. Hein. Ils prennent tellement d'impact rapidement qu'ils sont complètement secoués. On est même pas fun à tuer finalement. Enfin. Et du coup en fait en train de me dire que si j'avais pris par là plutôt que par là, j'aurais gagné du temps. Merde, si j'avais su. Très bien, bon bah, comme quoi. Allez, on passe aux machines. On vend tout ça. Le vends pas si tu veux pas le vendre. Bouclier grande capacité, mais c'est pas suffisant. Je viens de le dropper, ça fait quoi ? 4 épisodes que j'ai pas changé de shield ? 4 heures ?
Alors, on va aller à Middle of Nowhere. On va se téléporter à chacun des endroits où on a besoin d'aller. Hein. On va pas perdre de temps. C'est chiant. Oh, ce que de cheval. Très bien. Ça me chatouille dans le cou. Patton, Dieu a pitié de mes ennemis. Moi, pas. Ouh, c'est joli comme nom. Comme petite phrase. Crac. Nailed. Ok, d'accord. Il nous reste donc deux quêtes, la principale et la secondaire de Earl à rendre. On va donc se téléporter chez Earl. Lui rendre sa quête et ensuite nous rendre à la nouvelle... Enfin, à l'endroit où on doit rendre la quête principale. Pfiou! Tout ça pour ça. On aura donc fait une quête principale et quelques quêtes secondaires durant cet épisode quand même. Je vais réussir à mourir. C'est bon? Mes grenades ont fait le taf. Oh, raclure, comment ça va? Qu'est-ce que tu veux? T'es heureux, c'est bon? Burning Sniper, ouais, je... Raclure, t'es rentré à la maison, qui c'est qui est un bon garçon, hein? C'est Raclure qui est un bon garçon! Ils t'ont fait peur, les vilains bandits! Oh, ils t'ont fait peur, merci de me l'avoir ramené, c'est un bon garçon, je suis sûr qu'il a fait des gros caca partout chez les méchants bandits. C'est pas vrai, dis? Si, c'est vrai, hein? On est tous un peu gâteux quand on salue notre animal. Ah là 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 là, c'est vrai que moi je parle comme ça à mon chien des fois. Ouais, j'avais le doigt trop lourd sur la gâchette. Ça arrive. Vous voyez, des fois tu tires une gâchette de pompe pour récupérer un chargeur de pompe. Et des fois tu sors d'armes. Enfin, tu sors des armes et des grenades d'un truc comme ça. Très bien. Merci beaucoup. The Undo Pass. Très bien. Ah oui, on va la rendre à Tanis. Ah. C'est où le truc à voiture? Là. Allez, fais pas ton timide, l'auto c'est la location parti. D'auto quoi. Très bien. Faut que ça roule. C'est à 230 mètres. Comme on dit, c'est pas si loin. Pas faire de coupure montage pour le 130 mètres. Hop. On aurait le Cyclope là. Oula. On aurait le Cyclope, on aurait pu passer directement. Cyclope qui est le fameux véhicule, le monocycle à moitié là du troisième opus. Hein. Je vous invite à aller voir à nouveau ou à revoir ou à voir pour la première fois la vidéo que j'ai faite autour du jeu. J'essaie de la faire avec le moins possible de spoilers. Le seul vrai spoil que j'ai donné, il est prévenu un petit peu avant. Autant de la feature que du spoil en fait, donc j'ai préféré le mettre. Même si vous l'aurez compris, si vous avez vu le premier trailer de Borderlands 3. J'en parle pas exprès, hein. Vous dégagez une odeur étrange, voilà. Vous venez d'une autre planète? Non. Oh, il s'agit bien du troisième fragment de la clé de l'Arche. Nous représentons presque la totalité à présent, il en reste qu'un quatrième. Jamais, sans mon claptrap, secourir un claptrap dans Old Heaven. Les gens, moi je vais vous laisser là pour cet épisode, il est un peu plus court que les autres. Mais je vais pas vous amuser à faire tous les déplacements pour aller ensuite à la quête suivante qui sera encore une fois du déplacement. Donc voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo, c'était Marcus Benuzin, la Playroom, à plus pour d'autres aventures. Salut les gens et yop!